Hello, hello! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau Getting Ready spécial sorti entre copines. C'est parti! Avant toute chose, il faut hydrater votre visage parce que c'est très important. Donc je prends ma crème Q10 Plus, je crois. Enfin, je m'en fiche un petit peu qu'elle soit anti-âge. Ce qui compte, c'est qu'elle sente bon et qu'elle hydrate bien. Ensuite, pour que mon maquillage tienne à peu près toute la soirée, je vais prendre une base. Donc celle-ci, c'est celle de Innisfree que je kiffe parce qu'elle sent trop bon et elle vous rend la peau genre super douce. Je vais prendre ma bébé crème et je vais en mettre un tout petit peu, genre une petite noisette. Ensuite, je vais la mixer avec mon fond de teint Un Corps Parfait, dont je vais mettre un tout petit peu. Alors, je sais, c'est bizarre de mixer ces deux produits ensemble, mais en fait, c'est parce que les deux ont une couleur soit trop foncée, soit trop claire pour moi. Donc le mix est juste parfait pour moi. Poudre translucide et je viens tapoter un petit peu sur tout mon visage pour unifier et matifier mon teint. Vu que mon anti-teint favori est terminé, je vais en reprendre un autre. Donc je prends le Instant Anti-Age de Maybelline et donc il est un petit peu jaune, mais bon, c'est pas grave parce que ça va enlever toutes les petites rougeurs qu'il y a sur votre visage et ça va pas se voir normalement si vous êtes allé bien, évidemment. On va enlever ces petites joues un petit peu grosses. Donc je vais prendre mon bronzer et avec un pinceau biseauté, je viens creuser un petit peu mes joues légèrement. Aussi, on n'oublie pas la mâchoire parce que mon visage est un peu difforme. Et les tempes. Ensuite, je vais enlever toute la poudre qui reste sur le pinceau et je vais venir estomper le tout. On s'attaque aux yeux. Donc je prends mon eyeliner et je viens déposer de la matière seulement à la racine des cils en faisant bien attention. Donc vous pouvez aussi intensifier la muqueuse, mais moi voilà, je préfère juste le dessus. L'avantage de cet eyeliner, c'est qu'il est bientôt fini, donc je peux tracer on va dire un prototype d'eyeliner avant de tracer le final. Donc je trace un eyeliner assez fin, assez naturel, pour seulement mettre en valeur la forme de mes yeux et pas genre créer une nouvelle forme, tu vois. Donc je recouvre mes cils et je prends mon mascara waterproof de chez Yves Rocher, faites pas attention à la tâche, et je viens prendre bien les cils à la racine et je viens pivoter la brosse pour allonger mes cils et les étoffer de plus en plus. Donc vu que cette brosse est un peu grosse pour mes yeux parce qu'ils sont un peu sensibles, donc je prends Miss Manga de chez Maybelline qui est beaucoup plus fin et plus pratique pour aller dans les petits coins. Donc je viens brosser les cils à l'extérieur et à l'intérieur de ma paupière. Donc je prends mon ami le coton-tige et je viens essuyer un petit peu les taches que j'ai mis un petit peu partout. Sourcils. Alors je prends cette palette de chez Choice que j'aime beaucoup et je prends pas la couleur au milieu parce qu'elle est un petit peu rouge en vrai. Donc je prends un pinceau eyeliner, donc biseauté, n'importe,
et je viens étoffer mes sourcils et les épaissir un petit peu, leur donner une forme, voilà. Parce que j'aime bien. Pour perfectionner un petit peu la ligne, mais c'est totalement optionnel, vous prenez un anti-cerne et vous venez rendre plus net les bords du sourcil que vous venez de tracer. Et voilà, maintenant on s'occupe des joues. Donc je prends le blush qui m'a été offert par ma petite barbouille et donc je viens les déposer sur les pommettes pour donner un côté plus frais. Vos lèvres les filles, c'est important, et en plus ce baume à lèvres est juste genre super top, donc je vous le recommande vraiment vraiment. Donc j'ai décidé d'ajouter une petite touche de couleur à mon maquillage, et je sais pas pourquoi cette couleur apparaît rose, mais normalement elle est rouge, donc faites pas attention, je sais pas pourquoi, enfin voilà, bref, elle est rouge. Ensuite, je prends rouge à lèvres MAC qui m'a été offert par une abonnée et je te kiffe. Si tu regardes là, je I love you, tu vois. Je te kiffe. Il est juste super et en plus, il sent super bon. J'adore. Franchement, les MAC, ils sont super bien. Donc voilà, c'est un très joli rouge que je viens appliquer par-dessus le contour. Donc pour éviter de vous tâcher les dents et de laisser une marque pas très glamour sur vos dents, vous prenez un doigt, vous venez et vous le rentrez dans votre bouche en fait. Et donc après quand vous le ressortez, il y a toute la trace du rouge à lèvres qui allait se déposer sur vos dents. Et donc voilà, c'est bizarre mais c'est pratique. Et voilà, finito. Ouais, j'ai toujours cette obsession de prendre mon téléphone et voir à la lumière comment ça va rendre. Parce que voilà, j'ai besoin de voir les petits détails. Enfin bref, c'est une habitude. Yeah. On passe aux cheveux. Alors, vu que j'ai plus d'idées quoi faire avec mes cheveux, ils sont un petit peu crades parce que c'est la fin de semaine. Mais un petit peu parce que là, ils paraissent bizarres. Je prends du shampoing sec, XXL volume. Donc en fait, il va laquer et en même temps nettoyer, on va dire, vos cheveux. Et donc, j'en vaporise à la racine des cheveux. Et j'attends 30 secondes. Alors je me suis rendu compte que ça m'a fait des pellicules. C'est très très bizarre. Mais bon, on va prendre un peigne, on va brosser et vous allez voir après, ça va partir. Voilà, un petit coup de lisseur, ça fait pas de mal. Donc j'aime beaucoup cette coiffure, je la mets assez souvent en ce moment. Je sais pas, elle me rappelle quelqu'un. Qui sait, I don't know. Allez, c'est parti. À la tenue. Donc avant de trouver une tenue, quand j'ai vraiment pas d'idée, mon rituel c'est de prendre mon téléphone et en fait j'ai un dossier qui s'appelle Lookbook dans mes photos où je mets toutes les photos de mode que je trouve sur internet, etc. Donc voilà, je vous recommande de faire ça si vous voulez avoir des idées de tenue parce que c'est très pratique. Donc après une demi-heure de recherche, j'ai enfin trouvé le style de tenue que je veux mettre. Alors qu'on soit bien honnête, dans la vraie vie, c'est plutôt ça. Ceci n'est pas une culotte. I've been doing this for the rest of my life. Nighttime radio and a bottle of wine. Checking out the boys, just killing time. Just killing time. Too much to drink on a restroom floor. Always too late. Another door. We taught ourselves this child. C'est en soirée, vous avez le droit de porter un petit peu plus court parce que voilà, ça se verra pas. Et vu que c'est des collants très foncés, mais que là à la caméra paraissent un tout petit peu transparents, je peux vous assurer qu'ils sont opaques. Et donc j'ai ajouté des bottines pour allonger la silhouette et l'affiner, évidemment, parce que j'en ai un petit peu besoin, tu vois. Après une petite touche de parfum, je suis prête. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir. J'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao !
nothing can stop us when we've been.